J'espère que vous passez une excellente semaine. J'en profite pour faire une petite vidéo rapidement parce que le 15 mars, c'est la date limite pour déposer votre candidature pour le Gala des prix Distinction 2018 qui aura lieu le 25 mai prochain. Et une des choses qu'on nous dit souvent lorsqu'on va voir les gens et on leur dit « Mais pose ta candidature, t'as eu une bonne année, pourquoi pas le faire? » On nous dit « Ben, j'ai pas le temps. C'est trop long. Le cahier de candidature, j'ai pas le temps de le remplir. » Non, pas tant que ça, c'est pas si long que ça en fait. C'est trois choses. La première, c'est le formulaire d'inscription que quelqu'un qui travaille avec vous à l'entreprise doit connaître, adresse, secteur d'activité, tout ça avec les coordonnées. Assez simple. La deuxième chose, c'est l'attestation financière. Votre institution financière va pouvoir vous rédiger ça. Super simple. Et la troisième chose, ben, c'est un document de 1 à 5 pages qui parle de l'entreprise. C'est quoi l'entreprise? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous avez fait qui peut être souligné en 2017? Avez-vous des articles de journaux? Avez-vous gagné des prix? Est-ce que vous vous êtes démarqué avec votre service ou vos produits? C'est assez simple. Et si jamais vous manquez vraiment de temps, une seule page suffit dans la description. Alors voilà. Vous n'avez plus de raison de ne pas vous présenter à la prochaine édition du Gala des Prédistinctions. Alors voilà, vous nous envoyez ça dès maintenant, la date limite le 15 mars.